Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'offre des titres de ce jeudi 24 octobre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Soleil Levant pour lire à la une. Mise en œuvre de l'aide juridique au Bénin, le gouvernement opte pour la promotion de l'égalité d'accès à la justice pour tous. Dans un souci de garantie légale accès aux droits et à la justice pour tous les citoyens, le Bénin a adopté ce mercredi 23 octobre 2024 un décret visant à mettre en place un système d'aide juridique. En effet, cette initiative vise à prévenir et à éliminer toute forme de discrimination dans l'accès à la justice, que celle-ci soit due à l'alphabétisme, à l'ignorance des droits et à l'appartenance éthique, aux gens, à la religion, au statut social ou économique, à un handicap ou à toute autre cause. Désormais, que l'on soit de conditions modestes ou que l'on ait peu de connaissances en matière de loi, toute personne pourra bénéficier de la défense de ses droits par des professionnels du droit. Chaque citoyen béninois aura ainsi la possibilité de recevoir une assistance devant les tribunaux et de demander réparation. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Enseignement supérieur, adoption d'un code de déontologie pour les enseignants et chercheurs. Et pour finir avec ce quotidien, réouverture des locaux de Radio Univers, l'appel urgent du recteur Avlessi ignoré. Vous aurez les détails à la page 4 de cette parution du quotidien Soleil Levant. La primeur, ouverture de la deuxième session ordinaire, une importance accordée aux secteurs vitaux, la santé, la justice, l'éducation et l'économie. Lutte contre la désinformation en période électorale dans l'espace francophone, le Bénin offre un cadre de réflexion et d'échange fructueux. Promotion de la justice et des droits de la personne au Bénin, un nouvel arsenal juridique pour l'égalité humaine. Quant au quotidien décryptage info, on aperçoit à la une, développement durable, un système fiscal plus juste s'impose en Afrique. D'importants défis sont à relever en Afrique. Les pays africains doivent réformer leur fiscalité. Taux de 17% du PIB selon la CEA. Priorité, élargir l'assiette fiscale et intégrer le secteur informel. Mais au-delà des réformes nationales, un système fiscal international plus équitable s'impose face aux pertes de 75 milliards de dollars par an. Dans un récent rapport publié le mercredi 18 septembre 2024, la Commission économique pour l'Afrique explique qu'un système fiscal plus équitable est essentiel pour favoriser une prospérité durable sur le continent africain. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Résilience agricole et gestion des risques climatiques. Le Bénin favorable à une assurance agricole pour protéger les petits exploitants. Et c'est le matinal qui ferme la marche de ce numéro. À la une, commune de Kwamassé, le secrétaire exécutif révoqué, ce qui est reproché à Dieudonné Aloukoutou, son intérimaire connu ce jour. Université agricole KDK, des demi-bourses aux trois meilleurs des lycées agricoles. Cannes U20 du tournoi UFOA B 2025. Le Bénin éliminé en phase de groupe. Défaite 1-0 concédée face au Niger. Vous aurez plus de détails à la page 9 de cette parution du quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour l'offre des titres de ce jeudi 24 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.